T'as des trucs qui arrivent. Ouais, parce qu'après, il y a des équipements sur le buggy aussi, en dehors des Ouais. pièces. Et en fait, la construction de pièces, c'est le truc obligatoire pour passer de palier, tu sais. Ouais, et puis La ça permet progression. juste de construire des niveaux 1. Donc en gros, c'est juste ce qui te permet de faire en sorte que ton buggy puisse avoir des pièces, quoi, globalement. Ouais. Je kiffe le buggy quand même, c'est un système qui est Sais bien ce que je cool. kiffe, moi? Toi! Toi! Ah! Alors, on va faire les points d'exclamation d'abord, peut-être. Parler au petit Exclamons-nous! visage. Bonjour. Bonjour. Et oh mon dieu, il a un masque! Ah non, j'ai pas fait le point d'exclamation, j'ai oublié. Oh, Pas grave. vous faites partie des sans-visages. Est-ce que je pourrais parler à la mère? Tu crois qu'elle parlerait à un T'es étranger? qu'une merde! Tu parles pas à ma mère! Et sur la bonne voie pour rejoindre nos rangs. Du coup, Sois patient. Quel est ton nom? Kyle Crane. Tu as un long chemin à parcourir, Kyle Crane. Kyle Crane, ok. Tu crains. Ceci t'aider dans ta lutte. Tiens, c'est tout ce que un nous avons à dire pour sextoy. le moment. Un engin du plaisir sacré. Oh mon dieu! Tu peux partir. Plaisir sacré! Super. Bah, c'est bien, c'est une arbalète. Ouais. Le plaisir. Une arbalète bleue dégueulasse. Ah, quoique. Ah non, oh, j'ai rien dit. Je vais dire Ah non. quoique. Si c'est de Ah, la quoique merde. aussi, niveau dégâts, c'est pas mal en vrai. Ah ouais? Bah, elle fait 360 de dégâts. Bah, c'est pas dégueulasse, quoi. 360, bon, mon petit pistolet, il fait 377. Ah Donc oui. bon, c'est pas aussi bien que ce qu'on a, mais pour une arme bleue, c'est quand même très bien, non? Cool. Ça laisse présager du bon si jamais on tombe sur... Jazir, qui a dessiné ça? Sur une arbalète plus sympa. Oh, ça n'a pas d'importance. Le gamin n'arrête pas de faire des dessins, je les jette au fur et à mesure. Ah super! Mais c'est quoi? Je vais lui dire. C'est comme sac d'or autour du cou, là. Un truc qu'il travaille, je suppose. Sa J'ai mère déjà avait fait celle-là. accepté un boulot à Je Harvard avant sais. l'épidémie et l'avait laissé chez ses grands-parents. Elle devait lui envoyer un cadeau ou un truc comme ça. Moi, je suis sûr que Mais c'est la bon, tu poudre sais ce qu'il qui s'est sniffe qu'il y a passé, là-dedans. c'est pas important, t'as qu'à le Oh, balancer. peut-être. Pour éloigner les zombies. Monsieur le facteur a mon colis. Tu peux apporter mon colis? Alors le gosse attend un cadeau depuis tout ce temps. Punaise. C'est triste, Punaise. hein. Mais bon, la vie, c'est pas une partie de plaisir. Ah, c'est ce qu'on essaie de lui apprendre à ce petit con. C'est triste, hein. Mais bon, on s'en bat les couilles. Fidèle, nous vous demandons ce soir de prier en mémoire d'Erkan et de sa famille, dans l'espoir que le pouvoir de la mère aidera sa fille à surmonter son traumatisme. Ne perdez pas espoir, mes frères et mes sœurs, même si les atrocités commises par ces monstres sont si lourdes à porter. Mais si vous voyez des étrangers dans le coin, parlément sur le champ, ne laissez pas les bandits nous surprendre comme ils ont surpris Erkan. Construisons un mur. Non, je déconne. Un mur. Jazir, ces bandits qui ont pris la ferme d'Erkan, t'as pas peur qu'ils s'en prennent à vous ensuite? Ici, on peut s'occuper d'eux. Mais on n'est pas des soldats. Je n'enverrai pas des gens à l'abattoir. Eh bien, tes talents pourraient nous être utiles. Va Tes parler talents? à Aizen. Ouais, mes talents, ouais. Elle t'expliquera le genre Talent, de le tueur! Mais! Essaie donc de trouver Polat aussi. Il travaillait à la ferme d'Erkan. Il aura peut-être des trucs utiles pour toi. Ouais. J'aurai des trucs utiles, ouais. Tu veux lire le dernier? Vas-y. Aïe, ah! Je vais tomber mon téléphone. Clavier. Le gros esquiveur. Achète des fouets d'esquiveur. Jazir, faut que tu m'expliques. Pourquoi tu veux que je te rapporte des fouets d'esquiveur? Ces saletés d'esquiveurs. Tombé sur le meilleur texte. Ils passent voilà. Leur voilà, voilà. À prendre les tombes de nos proches et à dévorer leurs cadavres. Oh, d'accord, mais pourquoi leur foi? Quoi, on vous apprend rien à la ville? C'est l'odeur. Elle permet d'en attirer d'autres. C'est l'odeur. Ouais. Les ouais. Les phéromones. Oui, les voilà. Ouais, voilà. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour les faire fuir? Fromage. C'est ce que je voulais dire. Tu apprends vite. Fromage. Donc, les esquiveurs sont attirés par les cadavres que vous abandonnez Man. dehors. Jazir, Jazir, calme-toi. Ok. Je me fais une crise. Appelez la mère. Chasse à l'esquiveur. Les agiles esquiveurs se sentent plus à l'aise à la campagne. Ils sortent donc en journée et dorment une fois la nuit tombée.
Le meilleur moyen de les trouver est d'aller aux endroits où ils se nourrissent, qui sont indiqués sur votre carte. Attention, s'ils se mettent à courir, vous aurez moins de mal à les attraper en buggy qu'à pied. Il va falloir rouler dessus. Mais le début, c'était tellement le documentaire des esquiveurs. Allez, vas-y. Personne disparu. Voilà, c'est ton moment. Deux jours que Nazan a disparu. Elle a sans doute voulu revenir à son ancienne maison. Encore une fois, savoir qu'on pouvait voler les affaires de sa grand-mère la rendait parano. Je vous en supplie que quelqu'un la retrouve. Signé Mercure. Ah ah! Ah, y'a réclamation. Est-ce qu'elle donnera du chrome en récompense? Mercure au chrome. Tu veux lire le réclamation aussi? Oui. C'est parti. Alors. Fidèle! Nous avons récemment demandé à Archand et Terry de faire de leur ferme un refuge sûr pour les nouvelles familles dans le besoin! Oui. Ils ont toutefois rencontré un problème qu'il était impossible de prévoir. Ah. Mes frères et mes sœurs! Nous sommes à nouveau mis à l'épreuve. Il s'agit cette fois d'une nouvelle espèce de mort-vivant. Non. Des monstres à la force incroyable. Des monstres que nous ne savons pas encore tuer. Oh mon dieu. Prions donc à la mémoire d'Archand et de Terry. Prions avec compassion pour Elem et Mélie, qui ont réussi à échapper au massacre, mais ont dû assister au destin funeste de leurs meilleurs amis. Oh, en effet, ça va nous aider. Voice actor. Voice actor. Extraordinaire. Y'a un gamin là. Oh, c'est lui qui attend le cadeau. Tu feras un cadeau toi ? Eh hey, petit, je vais à la poste. Si tu veux, je demanderai si ton colis est arrivé. Tu sais ce qu'il y a dedans ? Un cadeau ? D'où tu parles, fils de pute ? Quoi ? Surprise. Et après, elle revient avec nous. On pourra jouer tous les deux comme avant. Quoi Mais il est en train de me faire une béquille. Ouais, oh, gamin. Mais il est en train de me défoncer complètement. Mon dieu. Paula. Lâche le pistolet. Lâche-le. Y'a Paula qui t'appelle. Paula. Paula. Paula Artiche. Hé, hey, Paula. Je compte aller à la ferme d'Arcane. Avec sa belle chemise. Laisse-moi en décider. La chemise de la campagne. Et la casquette et Paradise. Les pourraient bientôt s'en prendre vous. Mais qu'ils viennent, bordel. Mais qu'ils aiment la ferme. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la petite? Il n'y aura aucune pitié. Si tu le vois comme ça, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas se venger maintenant? Ne fais pas trop le malin avec moi, monsieur. Essaie pas de faire des phrases avec des mots, avec des lettres. Mais on n'est pas fou. Tu veux te faire... Je crois pouvoir gérer quelques voyous armés. Voyou. Oui, aussi quelques filous. C'est bien. Ah, il bordit si de grands chemins. Vraiment aller là-bas. Suis le mur. Busty. À l'est de l'entrée, il y a un trou. Des brigandins. Peut-être passer. Des brigandins. Ah, Seigneur Dieu. J'aime trop pouvoir parler comme le Christ cosmique des fois. Oh aïe aïe aïe. Bon, Seigneur Dieu. Oh, il y a une quête, une résolution de quête. Oh oui. Oh, chouette. On peut y arriver. Peut-être. Ah oui, je me souviens, il faut monter sur ce truc-là. Ah. Ouais, on peut faire ça aussi, ouais. Ouf. Salut, waouh. Wow. C'est pas ici. Ah si, mais elle est de l'autre côté. On peut pas... Allô, bonjour. Il nous attend à la fenêtre et du coup on est passé comme des gros porcs. On va passer par la cheminée, c'est le Père Noël. Putain de moi. C'est l'heure de la canne à sucre. C'est moi les détails. Bonjour, je suis là. Esgui, j'ai... Oh. J'ai oublié qu'elle s'appelait Esgui. C'est... Oh, et... Mmh. Ah, c'est toi, bonjour. Non, c'est pas vraiment elle. Juste ce qu'il en reste. C'était la personne la plus joyeuse que je connaissais, mais là... Je suis désolé. On parle de qui, là? Mais elle... Elle est consciente, non? La fille que les bandits ont défoncée, là. Allongée là. Ah. J'ai l'impression qu'elle souhaite une fin rapide. Mais on la voit pas. Quand elle parlait encore, elle m'a dit qu'il l'avait blessée. Et sa mère aussi. Ils ont tiré sur son frère en plein visage. Ils l'ont forcé à garder. Plein visage. Je vais m'en occuper. Il avait encore un visage après. Il fait plus de mal à personne. Ouais, c'est ça.
Ils n'ont pas dit. J'ai entendu ça trop. Attends, du coup, si elle regarde par là, c'est qu'elle, révélée. C'est qu'elle est par là-bas, du coup, mais elle est où? Je la vois pas, là. Ah non, c'est celle qui est sur le lit, d'accord, ok. Bah, désolé. Ça vous apportera sûrement pas grand-chose, mais on va buter tout le monde. Voilà. Oui. Bonjour. Vendetta. Alors, quel quête on fait, mon cher? Alors, c'est une très bonne question que tu poses, là. C'est bien vraiment, équipé, hein. C'est vraiment une très très bonne question. Moi je trouve ça beau déjà, comme question, je tenais à te signaler. Ah oui. Et je pense qu'on va suivre cette quête. On va aller faire celle-là. Réclamation. Réclamons. Allons réclamer. Je réussis à m'asseoir sur le siège arrière. De ma propre voiture. Et je vais aller un petit peu plus vite maintenant grâce à la pièce de moteur que tu m'as donnée. Et oui. Yes. Ouais. Wow. Aïe. Mais moi je te suis comme un bâtard. Y'a un esquiveur là. Tu veux qu'on se le fasse? Esquiveur, je te roule dessus. Et cours vite le fils de pute. C'est mal parti pour moi. Bonne chance mec. Ah putain, on est arrêté par les arbres, on les casse pas. Oui, c'est ce que je viens de me prendre. C'est la fin de la course. Yo. T'inquiète, j'arrive sur le côté. Sur le déco, wesh. Ouais. J'arrive en renfort. Ah. Vas-y, file comme le vent. Vas-y, je le prends sur le flanc. Faut pas tourner quand c'est en niveau. Wow. Ah, t'as la nitro, toi? Oh yes, tu l'as eu. Oh, tu l'as complètement roulé dessus. C'est bon. Y'en a un deuxième là-bas. J'ai pas de limite. Je te le ramène. Finis-le, mec. Ah bah moi j'ai lâché pour prendre le loot. Ah merde. Bah prends-le pour nous deux alors. Oh fuck, j'aurais pu l'avoir, merde. J'ai l'impression d'être un chien de berger, quoi. Wouah! On me moleste de moult coups. Ah bah il est au milieu de tous les zombies. C'est chiant. Oh fou. Wow. Ah, il m'a eu. J'ai pas réussi. Je suis toujours dans le game. Ouais. Ah pardon, je suis désolé. Ah, c'est pas ouf pour moi ça. Aïe. Ça va aller. Ok. Wow. Aïe. Contrôle. 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 Ok. Aïe. Oh, ça m'a vraiment mis mal en vrai. Non. Ouais, il court trop vite ce bâtard. Ok. Ok, je vais. Oh putain. C'est terrible. Ok, c'est bon. J'ai pris cher. Il est encore là le mec bleu ou pas? Ah ouais, mais si seulement j'avais un gun là, je le défoncerais. Ah là là. Ah l'enculé! Ah là là, cette chasse! J'essaie de revenir dans la course. Ah là là. Mais je suis sûrement très très loin. Ouais! Tu l'as juste snipé au carreau. Oh GG mec. Ah trop chaud. Ah de fou. Pouf. T'as pu récupérer un foie? C'est où? Ah c'est sur le cadavre. Il est où le cadavre? Ah il a disparu? Bah je le vois pas moi en tout cas. Oh, y a trop de zombies ici. Bon. Ok. Pouf. Maintenant on sait que c'est chiant. Oh là là. Ah mais casse-toi sale bête. Sale bête. Tirez-vous. Vas-y mon Dridri. Je vais vers le point de quête. Ok. Je file tel le vent qui souffle en tempête. Fais donc.
Ouais, mais je suis sûr que ma voiture a tellement pris cher là, pour cette escapade. Ouais. Ok, c'est ici. Oh là. Ah oui, il y a un gros là. Bonjour. Aïe. Il y a un mec qui a explosé derrière nous. Wow. Super. Il nous a balancé un caillou, je rêve. Ouais. Partir sur un bon vieux fusil d'assaut. Pala papa papa pala papa. On notera que la barre de vie ne bouge pas. C'est pas ce que ça représente. Ah, peut-être qu'il faut être dans la zone de combat. Ah ok, il m'a complètement défoncé le cul. Oh, ouais, je suis tombé du toit aussi. Je suis un petit peu déçu. Ah, je suis dans la zone de combat. On va voir. Non, ça ne change rien. À l'affaire. Après, il parlait de points faibles. Ah, il est vrai. Mais il disait points faibles pour les monstres spéciaux, là. Ah mais c'en est un d'ailleurs. Je viens de voir l'icône sur la carte. C'est vrai. Comment faire? Quel enfer? Je vais essayer de descendre. Je me lance un molotov. Ah! Ce n'est pas son point faible. Oh la mandale. C'est quand même dingue qu'on lui fasse vraiment zéro dégâts. Au moins que la barre de vie ne marche pas. Ça, c'est encore une autre possibilité. Aïe, mais arrête avec tes cailloux. Ah, mais fils de poulpe. Ouais, hein. Putain, mais il y a une portée qui est bien au-delà de sa... De sa race. Ah, mais putain. Ouf. Il me touche même pas sur le papier. Oh la vache. Ah, il m'a mis par terre. Il m'a down. Merci mec. Ok. Y'a pas un... environnement, un décor, un truc qu'on pourrait... Dans les trucs de base, tu sais, quand il dash, on le fait foncer sur un truc. Ouais, moi je me demande si c'est pas une partie du corps. Hein. Je suis à l'intérieur de la petite cabane. Parce que même quand on touche les bras, ça fait le bruit du métal. C'est un peu bizarre. Ok. Ouf. Aïe. Ouf. Ah mais putain. Ah, on a fait des dégâts à un moment donné. J'ai fait des dégâts. Ah cool. Ah, peut-être qu'on a percé son armure. Je sais pas vraiment où j'ai frappé, j'ai l'impression que c'était sous son bras droit, mais je suis pas sûr. Ah oui, je l'ai frappé aussi les bras. Ok, c'est pas mal, on avance, on progresse. Ok, maintenant ça va. C'est bon, je pense que t'as raison, on a percé l'armure parce que là on fait des dégâts un peu partout. Oh là, mais. Terrible. Ouais, c'est ça, on a complètement percé son armure, ouais. Ouais. Tu vas rencontrer mon shotgun! J'ai l'impression qu'il m'enfle, c'est pas possible. Je sais que je suis attractif, mais quand même. Par contre, je crois que les armes de corps à corps ont une diminution de dégâts quand même. Les armes à distance ont ouais, une diminution. Ouais, j'ai l'impression aussi. Parce que là, quand tu lui touches la tête d'habitude, ça lui fait la race de dégâts, et là.
moyen. C'est pas plus mal parce que c'est quand même vachement pété. Yes! Yes! Bien joué. One down!